honneur à son excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Très heureux et je me sens vraiment, je dois vous dire, chez moi. Les bénédictions qui ont été faites tout à l'heure par le chef central me vont droit au cœur, surtout avec les rappels historiques qui ont accompagné ces bénédictions. Merci beaucoup, chef, pour vos bénédictions. Que Dieu, le Tout-Puissant, les entende. Je voudrais donc vous remercier à nouveau pour l'accueil donc que vous m'avez réservé. Pendant 3 jours, je serai donc dans cette belle région du Kavali et après de nouveau du Gabon. Je viens constater l'état d'avancement des projets qui sont en cours. Je viens discuter avec vous pour prendre également donc en compte, en plus de tout ce que vous avez déjà dit à la présidente du conseil régional, vos préoccupations pour que dans le cadre du programme social du gouvernement, nous puissions apporter des solutions. Tous ceux qui voudront se mettre hors la loi, mais tous ceux qui viendront vous tenir des discours qui visent à vous mettre les uns contre les autres, ce message-là, vous ne devez plus l'entendre, que vous avez pris la décision résolue conformément aux enseignements du président Félix Houphouët-Boigny, de rassembler donc les Ivoiriens. Et que la Côte d'Ivoire est une, elle a des enfants de tous les horizons, du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest, et que ce qui compte, c'est que chacun puisse se sentir Ivoirien. Et c'est ce que nous devons cultiver désormais. Tout message de division doit être banni. Vous avez fait de moi votre soeur, président de région. À mon tour, de constituer une équipe avec mes frères. Ceux de Guiglo, les élus, les députés, nous sommes une équipe. Je voudrais vous en assurer. Et ensemble, nous voulons dire merci à nos parents. Le lac fort qui vient de poser à votre endroit et qui nous honore au plus haut point. Mais vous êtes fils de Diglo, vous êtes fils du Kavali. Vos parents ont fait des bénédictions et en retour, vous leur dites comment vous êtes venu vers eux, avec la joie au cœur. Chef, avec le maire et avec le député, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre fils, que vous réclamez tout le temps, je le lui dis, mais il est tellement pris qu'il ne peut pas venir tout le temps. Aujourd'hui, il est venu la 3e fois à Guiglo. Il vient les bras chargés.